Je me nomme Diallo Tchernomoussa, président des restaurateurs Miamia. J'ai quitté ici en Guinée en 2015. Je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé la restauration en Côte d'Ivoire pendant 6 mois. Après là-bas, j'ai parti en Algérie. J'ai travaillé là-bas encore pendant 7 mois encore. J'ai eu l'argent pour partir en Libye. J'ai été là-bas, j'ai vu ce qui se passe là-bas. C'est inhumain quoi. Je suis rentré le 3 août 2017. Dans le groupement, nous sommes au nombre de 11. Il y a quelques-uns qui sont connus à Libye, il y a quelques-uns qui sont connus à Conakry ici. On a des cuisiniers. Tous les deux là, ce sont des femmes. On ne leur paye pas actuellement ce qui est suffisant, mais on s'entraide quoi pour qu'elles gagnent et aussi nous aussi on gagne. Vous savez, c'est l'Afrique quoi. Moi, ce que j'ai à dire à mes frères guinéens et à mes frères africains, c'est de rester chez nous ici, travailler pour avoir notre vie. C'est très important. Si tu veux sortir, l'immigration n'est pas interdite, mais il faut immigrer légalement. Si tu es revenu, l'OIM dit qu'il va t'aider, il faut te patienter. Moi, je patientais pendant 1 an, mais aujourd'hui, mais voilà, j'ai commencé à travailler. Je les remercie beaucoup.